Salut, je m'appelle Waira. Je suis la fille de Stella Montaï et Soli Luna. Et je l'aide souvent. Donc, aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur les bracelets en macramé. C'est parce que souvent, ma maman, elle le fait avec des adultes, enfin, des bracelets pour adultes. Et les enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo pour les enfants. Comme ça leur apprend aussi à faire des bracelets à leur taille. Alors, voir lequel tu voulais faire? Donc, je voulais faire celui Le de fluo. cette manière, le fluo. Ok. Sinon, il y a plein d'autres méthodes. Il y a ces bracelets-là. Une prochaine fois, hein? Et ce sera une prochaine fois. Voilà, bah merci. Merci. Pour commencer, nous devons couper 6 fils de votre main jusqu'à l'épaule opposée. Ça fait 75 cm pour toi. Pour moi, ça fait 75 cm. Alors, on va commencer par attacher les fils à notre pince. Voilà. Après, nous allons prendre la pince et l'attacher aux fils qui sont en haut. Et après, comme vous voulez, vous allez mettre dans l'ordre les fils que vous les voulez. D'abord, vous prenez le guide de gauche. Vous le prenez dans votre main droite. Puis, celui juste à côté, vous le prenez, vous faisiez deux points basiques. À chaque fois, vous devez bien serrer. Puis, je refais pareil avec celui qui est encore à côté du guide. Ainsi de suite, je refais pareil. Et maintenant avec le rose. Après, du coup, le jaune, on doit le laisser, c'est plus notre guide. On le laisse partir en bas. Et je fais pareil, sauf avec l'autre jaune. Deux points basiques. Faut toujours que les deux lignes, elles soient toujours collées. Et je refais pareil avec le rose. Sauf que avant de m'arrêter là, et ben je continue parce qu'il y a encore le guide d'avant qui était resté là-bas. Et maintenant, je fais pareil avec le vert qui est en haut. C'est du coup maintenant mon guide. Je fais deux nœuds pareil que les autres.
Pareil, je prends le deuxième guide. Après, je ne dois pas confondre le premier rose, je fais encore pareil. Et s'il y a un fil qui s'est emmêlé dans votre nœud, il faut juste tirer le fil. Et pareil, vous prenez le troisième guide. Alors, quand vous êtes à la fin du bracelet, vous devez faire une dernière ligne. Moi, je vais en faire une dernière parce qu'il faut que deux couleurs identiques soient tout en bas. Donc, on fait encore pareil. C'est le point basique. Et si vous vous trompez, comme moi je viens de faire, et ben si vous avez des ongles ou pas d'ongles, bah vous devez faire avec les mains, c'est le plus facile. Voilà, donc maintenant on va faire le cordon. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une autre vidéo. Vers la chance, à gauche. On va tourner le fil à gauche. Et après, on va demander à un adulte qui le tienne, à votre frère, à votre soeur, ou à votre maman, à votre papa, à n'importe quelle personne. Et vous faites pareil avec l'autre. Après, vous prenez les deux. Faire un nœud au bout. Tu arrives à faire le nœud? Et vous faisez Ouais, faut le garder tendu et faire le nœud. nœud au bout. Voilà. Et là, le cordon, il se fait tout seul. Puisque ça va essayer de se dérouler. Du coup, ça s'enroule en fait. Hop. Non, celui-là. Celui-là, on fera après. Quand on aura fait le cordon. Maintenant, je vais brûler. Ouais, attends, faut enlever. Couplez bien un rat. Parce que bien sous la caméra, hop, on a pour les rues. Je vais bon. Maintenant, c'est le moment de brûler. C'est un peu difficile des fois. On va couper. Coupe les quatre en même temps. Et après, avec un briquet, attention rose, on va attention rose. brûler.
Donc des fois, il faut brûler beaucoup. Attends, coupe les quatre en même temps, regarde. Si on Mais du coupe, coup, on les deux jaunes, voilà. Alors, juste, tu protèges bien les roses et tu coupes après les. Voilà. Et tu brûles les roses et le. Bravo, super. C'est bon. Et on rabat derrière. maintenant, on rabat derrière. Ouais, super. Et là-dessous. Donc, Voilà, on va faire, tu dis aux gens de faire on va pareil de l'autre faire côté. pareil de l'autre côté maintenant. Maintenant, on a fait les deux cordons. Donc, on va faire le nœud coulissant. Faut toujours regarder la taille de son poignet, si c'est pas trop petit, si c'est pas trop grand. Et on va faire un nœud coulissant. C'est très Okay. facile. Si vous avez vu déjà la vidéo du PQ, et ben c'est ça. Ceux qui l'ont pas Mais il est vu, au milieu. il faut mettre C'est le le point fil quoi. Au milieu. qui est qu'on vient de prendre dessous et au milieu. Après, on fait un P. Après, notre deuxième fil, il va passer sur notre fil, dessous nos deux cordons et par-dessous dedans la boucle. Et après, on serre. Après, on va prendre l'autre fil. Cette fois, c'est le cul. Et après, on refait pareil de l'autre côté. Ça, on va le faire 3 ou 4 fois. Voilà, donc maintenant on va faire pareil, on va couper et on va brûler. On rabat derrière. On fait pareil avec l'autre morceau. Et si vous pas brûlez, si vous savez pas brûler, vous pouvez demander à un adulte de vous le faire. Maintenant, on peut mettre des perles si on en a envie. On doit défaire le nœud Tu peux le couper direct sinon. ou sinon Tu le peux vérifier couper. que ça passe déjà à ton poignet. Voilà, là c'est super. Et du coup, tu peux couper et ramener les perles. Attends, on va le remettre au milieu, le nœud coulissant. Voilà. Le jaune, il est plus petit alors on n'a pas beaucoup de marge. Le jaune, tu peux le défaire par contre. Tu arrives à les passer dans les deux. Une petite perle. Hop. Un peu.
Maintenant, on va remettre notre deuxième perle ici. Et voilà. Donc maintenant, on a notre bracelet. On peut le passer autour du poignet. Et on peut aussi le mettre À la bonne taille. à la bonne taille. Si votre enfant a des longs poignets, qu'il en a des fins, qu'il en a des gros, ben, il faut tout le temps mesurer. Voilà.